génial. Waouh, tu maîtrises mon poste. Eh hey mec, t'entends ça? Relax, ils sont super loin. Ouais mais je suis en conditionnel, je me casse. Mauviette. Eh hey, tiens, il faut absolument que tu viennes mec. Il y aura les meilleurs et je te présenterai à mon pote Travis. Il a plusieurs caisses à refourguer mec, je te jure. Ce sera l'occasion de passer à une autre catégorie. Eh hey, moi c'est Spike, on se voit là-bas, d'accord? De trouver sur Vla. Écoute, c'est la folie ce soir, je te jure, il y a du beau monde à Ventura Bay. Alors, viens vite, mais fais attention. L'endroit est pas facile à trouver, si tu vois ce que je veux dire. Tiens, je t'envoie le lien, tu regarderas ta carte, ok? À toute. T'es venu. Eh, pas mal le petit style. Il y a du beau monde ce soir. Viens, je vais te présenter ma bande. Allez, viens. Ah, hey. Regardez qui voilà. Tu me présentes pas? Eh, hey, ce mec vient de drifter sur 150 mètres sur une bretelle de l'I5 à hauteur de Turner. C'était malade. Oh, il en a laissé de la gomme, crois-moi. Ça devait envoyer. La dernière fois que Spike était autant à fond, c'était... Ah bah non, il est toujours comme ça. C'est pour ça que tu m'aimes. Robin, essaie d'être à la hauteur. T'en fais pas pour lui, c'est un bon. Et justement, je l'emmène voir Travis. Je vais lui demander de bouger quelques caisses pour qu'on puisse bosser. Allez, suis-moi. Salut, Amy. Voici Amy. Mignonne, non? Ouais, moi aussi, je t'aime. Travis, yo, j'ai quelqu'un à te présenter. Ah ouais? Et pourquoi? Oh mec, il faut que tu le vois à l'œuvre. Il a un super coup de volant. Bon. T'as l'air d'avoir tapé dans l'œil de Mister Rodeo. Carrément. C'est un bon, crois-moi. Tu te pointes au bon moment, toi. Il y a de super pilotes en ville qui ont envie de marquer l'histoire. T'as un sacré bol, mon vieux. Les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour démarrer un projet. Alors si t'as réellement quelque chose dans le ventre, comme il dit, je te conseille de leur montrer ce que tu vaux. Mets la misère à un de ces guignols.
Peut-être que quelqu'un te remarquera, qui sait. Yo! Bien vu dans le clan, vieux. Tiens. Très bien, elle est mortelle, hein. Allez, Amy, viens juste l'écouter deux minutes. Et dis-moi si elle ronronne normalement. Oh. Salut, mec. S'il te plaît, je l'ai garé juste devant. Allez, s'il te plaît. Spike, tu sais, j'ai des clients qui paient des fortunes pour ça, donc... Tu me la joues comme ça, hein. Ouais, c'est comme ça. Attends. Tiens. Waouh! Alors là, je me sens beaucoup mieux. Je paie toujours, tu sais bien. C'est ton père qui paie toujours, ouais. Arrête, c'est un cuir à plus de 1000 boules. C'est bien ce que je disais. Tu m'as mis de la graisse. Même au meilleur pilote de Californie, elle fait pas de cadeaux. Sa philosophie, c'est que c'est pas la peine d'essayer si t'as pas de blé. C'est très poétique. En même temps, c'est la vérité, donc... Alors, t'es prêt pour nos rendez-vous? Allez, suis-moi. On a pas mal de monde à te présenter, mon pote. Ok, les gars, les autres nous attendent. Alors on s'y met. Survécu à deux courses contre Spike, alors? Ah, je t'ai sous-estimé, on dirait. Survécu? Tu rigoles, c'est Spike qui avait du mal à suivre. Ah, oh, excuse-moi. Il avait pas du mal à suivre, il était complètement largué. Ça te fait plaisir. Ah. Emmanuel! Emmanuel! Viens voir par là. Mais qui a osé? Salut les filles. Eh ben alors, et moi, mec? Allez. Ah, le problème, c'est que ça m'embêterait de briser ta petite carcasse de moineau. Allez, viens là, mon grand, viens faire un câlin. Je te fie pas aux apparences, mec. Il est super vif derrière un volant. Moi, c'est Emmanuel. Et ça fait encore trop de syllabes pour ces andouilles. Appelle-moi Manu. Oh, belle poigne. Hey, lui, c'est Fred, le marteau norvégien. Salut, mec. Frédéric. Bon, on va arsouiller en ville ou on reste ici, à chambrer Spike? Moi, je dis les deux. Excellent, on va manger un bout. J'ai pas assez mangé ce soir, perso, j'ai trop la dalle. Sérieux, à quoi ça rime? Tu manges trop et Manu, rien. Ouais, Robin, à ce rythme-là, tu vas nous flinguer tes amortisseurs. Très bien, grand malin. Le dernier arrivé fait l'addition. Non, non, le dernier arrivé invite tout le monde. Hé hey. Billets, Spike. Ouais, Spike. Je vais m'envoyer le plus énorme des burgers. Mauvaise idée, les nazes. Ah,
Eh les gars, vous prenez rien à plus de 5 dollars, hein? C'est un resto. 5 dollars, c'est le minimum. Et pas de dessert, mec. Je suis pressé de faire une course ce soir. J'aurai l'adresse d'une seconde à l'autre. Oh, pour moi, je pense que ça va se finir en boîte. T'as qu'à venir? Mais tu rigoles? La soirée fait que commencer, les gars. Et pour moi, c'est course. Moi, je vais rentrer à l'atelier. Tu veux venir voir? Je te ferai un petit peu de place, si tu veux. Oh, oh, elle va s'occuper de toi, vieux. T'es jaloux, Spikey? Ouais, c'est ça, comme je suis jaloux des gens qui roulent à 90. Je vous avais vu Travis, ce soir? Ouais, il devait voir quelqu'un. Ah, tu peux pas, Test. Magnus Walker est de passage. Je l'ai vu discuter avec Travis en boîte. Oh, c'est pour ça que Spike est pressé. Il a un rendez-vous. Avec le destin, mon vieux. Ce soir, ça va chauffer. Hé, hey, tu nous feras voir ce que t'as dans le ventre, ok? Ouais, mec. Ta caisse faisait un sale bruit tout à l'heure. À moins que ce soit celle de Spike. Ouais, c'était peut-être celle de Spike. Bon, je suis à l'atelier. Viens réparer ta caisse si tu veux. À plus. Touche à ma playlist et je te tue. Ah ! Hey ! Travis m'a dit que tu bricolais un peu, toi aussi. C'est cool, ça. Ok. Première règle, prends les outils que tu veux,
sérieux, tant que tu les remets minutieusement à leur place. Pour le reste, l'atelier est tout à toi. Oh, ça c'est mon dernier caprice. Écoute. T'entends ce ronronnement ? Celle-là, ce sera mon plus beau projet. Je le sens bien. Je voudrais que Nakai-san la voie avant qu'il quitte la ville. S'il aime ce que je fais, ça peut me faire un max de pub, tu sais. Ok, bon ben, tu sais tout. Je vais y aller. Je dois voir Spike. Ah, Travis a bougé des caisses pour te faire un peu de place, alors installe-toi, parce que je peux t'assurer que demain, il y en aura partout. Tu devrais réfléchir à ce que tu vas faire, tu vois. Planifier ton projet. Oriente ta vision. Oula, on aurait dit Travis. Ok, j'y vais, je me casse. Éclate-toi. Et peut-être à tout à l'heure, hein? Oh, et... remets les outils à leur place. Cool. À toute, mec.
and noodles. Bang bullets at suckers' noodles. Left hour brutal. Prove that we was brutal. Brutal. I'm talking crazy. Half past the clock's cuckoo. You rappers do. Babies, babies, just make me boo boo. I'm talking brutal. Massive moves on my money, boo boo. My beats is banging. What you rapping? Who produced me? I slap the shot. Take what you got and run the juice. You insignificant. Furry, frightened, and frickin' sickly. A little prickly. On display for winter swimming. Look at these kitties, Mike. I'm a rat and tat up a living. I deal in dirty work, do the deed in a dash. Did you? I'll land a hammer that's stuck in a fist and composition. We run a brand where the structure's the number one commitment. It's all a joke between monk and dragons and coffin fitted. So we disappear in the smoke like we're magicians. No hocus pocus, you simple suckers deserve the notice. Top of the morning, my fist to your face is bulge, bulge. We might be giants, standing on little dandy shoulders. You punks, proverbial pansy panty holders. I Jake snake them, DDT them in mausoleum. Macabre massacres, killer, killer in my coliseum. They all actors, giving back of a BM. I fall back if your casting calls an ending, ending. Come on. Evaluations. Any cow that is sacred will get to face it. Like any time a murder gets replaced. Face it, the fellows at the top are likely. But you like mellow out, man, just relax. It's really not that complicated. Well, part of me, I guess I'm just as sane as you explain it. Or maybe sanctifying the sadistic is deranged. This run the juices, murder, mayhem, melodic music. Psychotic music to lose it, simply abuse it. That's worth it. Coffin. I probably smell when they put me in a coffin. The gates of hell, I'm pugnaciously pacing, waiting. If I'm late, tell Satan be patient. But I ain't here for durations, I'm just taking vacations. And tell them I never loved them in salutations. Yo, j'ai du nouveau. On s'est mis d'accord avec une entreprise de stockage. On peut garer chez eux les caisses qu'on n'utilise pas. Pas besoin de les vendre. Tu verras ça au garage.
Ça roule? Je fais un petit tour dans Royal Park. Mais il a rien de royal, ce parc. Mais si tu veux voir un champion, c'est l'occasion. Bon, allez, on s'en fait une avant que les flics rappliquent. Peace. Ouais, il se passe plein de trucs, mais je vais me faire oublier un petit peu pour voir ce qui se passe. Ouais, ouais, moi aussi. J'ai besoin d'un peu d'air. Elle est où, Robin? T'en fais pas, Spike. Elle va venir. Quoi? Mais non, je demandais juste ça, tu vois, parce que je trouve ça bien de rassembler tout le crew. C'est tout. Mm-hmm. Ton secret sera bien gardé. Ouais, t'inquiète pas pour ça. Fermez-la. Des nouvelles de Travis? Pas vraiment. Je lui renvoie un message. On n'a qu'à tous se retrouver au diner. Je vous rejoins là-bas. Ok pour moi. Dans ce garage. Ou alors, c'est déjà fait, j'en sais trop rien. Bref, j'ai besoin d'une petite course. On se retrouve? T'as intérêt à venir. Je te préviens. On a mis ça en place avec un ami de Travis qui bricole des hot rods. On peut les acheter et courir avec. On n'a pas fini de s'éclater, l'ami.
rencontre un pour voir ce que t'as sous le capot. Thank you.
vraiment bien. Au fait, d'après Manu, il reste plein de runs à faire. On s'en fait un ? À plus. Champion, je te blase ou quoi? T'inquiète, il en faut plus pour me chauffer et je veux la faire cette course.
mec, c'est parti. T'as de quoi prendre des notes, j'espère. Coup de volant, mais de là à me battre, il fallait pas rêver. Il paraît que les flics sont de sortie, donc rendez-vous au Longhorn, sur Franklin Terrace. Allez, à toutes. Arrête de faire une fixette sur ce Magnus. C'est une légende, ce mec. Et pour devenir numéro un, il faut la faire tomber, cette légende. Je suis d'accord avec Travis sur ce coup. Oh non, pas toi, Robin. Eh, hey, tu dois suivre ton plan. Mais c'est ça, mon plan. Mon nouveau plan. Et c'est maintenant ou jamais, de toute façon. Écoute, Manu est au Longhorn. On n'a qu'à aller là-bas pour en discuter. Oh, laissez tomber. Je suis décidé. Je
Je peux pas, Robin. J'ai un rendez-vous. Une prochaine fois, ok? Ok. Prenez bien soin du petit jeune. Sans faute. À plus. Ok, les gars. Rendez-vous à Longhorn. Non, non. Je le dis comme je le pense, ok? Le drift, c'est tranquille. Quoi? Ça a rien de stimulant, rien du tout. Qui dit ça? Salut. Toi? Amy, allez, voilà mon secours. Non, en fait, jamais je déteste. Je déteste entendre le moteur frôler le rupteur quand t'es en sur-régime comme ça. Mais j'aime bien quand j'arrive à me maintenir dans cette zone parfaite. Ouais. Ouais. Ok, je vais y aller. Tu viens? Ouais, c'est parti. Big up. À toutes. Viens te poser, mec. Il déteste le drift pour une seule raison. Il est nul. Ouais. Il faut une certaine finesse pour faire de longs dérapages précis. C'est comme surfer sur une vague. J'ai raison ou j'ai raison? T'as jamais tort. En gros, on mélange pas les torchons et les serviettes. Ah, tu vois, Robin, elle, elle a de la classe. Elle tient le cap. Spike, c'est plutôt du genre à jouer du frein à main comme les gamins à l'auto-école. Arrête, il est pas si nul, Manu. Tout ce que je dis, c'est qu'il a du bol d'avoir un père qui est maxi blindé. Bon, bah on a assez parlé comme ça, je me tire. Et depuis quand c'est un problème?
C'est un problème à partir du moment où on discute de trucs pendant des heures au lieu de les faire. Écoute, je prépare un petit truc. Bon, rien n'est encore fait, mais... si le calme t'angoisse, c'est qu'il te faut ta dose de dinguerie. Cool. Je te rappelle. Salut. Cette fille a toujours un coup d'avance. Il y a toujours un truc qui se passe quand elle est là. Enfin bref. Tu devrais aller te mesurer aux mecs qui font du drift à Ventura Bay. Ouais. Je t'appellerai pour te présenter de vieilles connaissances.